directement à toutes ces personnes que vous invitez. Merci. Chers collègues du ministère de l'Éducation nationale, tout personnel confondu, nous allons mettre en place la mutuelle. Cette mutuelle est la nôtre. Nous devons tous y croire parce qu'elle va nous permettre de régler nos différents problèmes de surendettement, nos difficultés d'accès à tout ce qui peut nous permettre d'avoir un bon rendement scolaire pour atteindre l'excellence qui est souhaitée par Madame le ministre de l'Éducation nationale et par le gouvernement tout entier. Alors, venez pour que nous puissions adopter ces tests, pour que nous puissions mettre en œuvre tout ce qui peut concourir à notre bien-être au niveau de la mutuelle. Nous attendons les 23, 24 et puis 25 à Yamoussoukro. Juste après la fête de Pâques, maintenant pour ceux qui seront déjà là-bas, qui sont baoulés, qui fêtent à Yamoussoukro, vous restez là-bas en même temps. Ah, il reste et là puis l'Assemblée générale va se faire. Oui, mais il y a le poisson fumé. Oui, oui. Il y a la pintagne, il y a le poulet. Il y a le mouton. Oui. Ah, il y a beaucoup. Madame Élise Kofi, merci beaucoup. 20, 21, 51, 76, 09, 53, 87, 95. Mon invité principal avait peut-être envie de réagir. Oh, écoutez, dans les structures de l'État, tout comme dans d'autres structures, il est bon de s'organiser parce merci. Que c'est à travers les syndicats, mutuelles. Les mutuelles, qu'on arrive effectivement, comme la dame l'a dit, à mieux s'organiser. N'est-ce pas? Voilà. Madame Élise Kofi, bienvenue, pardon, pas bienvenue, au revoir. Je suis contente de vous voir, j'ai du mal à vous dire au revoir. Donc, merci d'être venue sur notre plateau, que Dieu vous accompagne et excellente journée. Et puis, il y a une maman... Il y a une maman que nous connaissons, oui. Maman Aka, je ne dirai pas tout. Oh oui, maman Aka. Quand vous arrivez, vous lui faites un bisou de ma part. Merci, d'accord? Merci Naomi. Ça marche. Alors, amis téléspectateurs, nous sommes avec Stéphane Kofiba. Oui. On parle du retour de la grande série. Oui, la grande série. Qui fait ça? Qui fait ça? Oui, qui nous met mal? Qui fait du mal à la société? Voilà, qui mais fait qui ça? Fait ça? Mais même? Qui fait ça? Et mais puis on laisse ça? Le soin à aux téléspectateurs, aux Ivoiriens, de voir qui a ce genre de comportement. Si vous vous reconnaissez dans les comportements sur lesquels nous tirons, il vous changez. Changer. Vous changez, voilà. Et je voudrais, justement, parler des sujets, les sujets que nous traitons, j'ai parlé de la satire sociale, les films qui vont passer bientôt, et donc, touchent à certains sujets qui sont vraiment des sujets d'importance. Hein, voilà, on parle de l'alphabétisation, en milieu rural, c'est important que même au village, on initie l'alphabétisation. Parce que si au village, il n'y avait pas une école, on n'aurait pas eu Stéphane sur notre plateau s'exprimer ainsi et être même artiste-comédien. Voilà. Et, mais c'est important aussi pour nos parents, même qui ne sont pas allés à l'école comme nous, d'apprendre à lire et à faire des calculs. Ça, c'est important pour eux. Il y a un sujet comme un toit pour toi où on touche un peu du doigt le problème du foncier. Mm-hmm. Et puis, il y a un autre film, Danger dans la rue. Là, on parle fait, vous êtes apprêté fortement pour le retour fortement. De cette série. Fortement. Donc, on ne sera pas déçus. Fortement, avec les soins et la bénédiction de la direction générale. D'où la RTI. Qui a mis les moyens. Hein, pour que nous... Quand artistes disent qu'ils ont mis les moyens, c'est qu'ils ont mis les moyens. Non, mais... Parce que les artistes... Non, mais sérieux, quoi. Quand artistes disent qu'on a mis les moyens, oui. C'est que vraiment les moyens ont été mis. Oui, les moyens ont été mis. Bon, laissons les moyens de côté. Je vous passe ça, cette fiche-là. Oui. Chaque invité a une fiche. Oui. Et comme je sais que vous adorez vos devanciers, il y a un devancier en face de vous. Oui. Je vous laisse donc la possibilité de recevoir les invités qui sont installés. Quant à moi, je leur dis bonjour. Bienvenue sur notre plateau, messieurs. Je vous laisse... avec mon invité principal, Naomi. Stéphane Kofiba. Vous m'érigez un journaliste. Non, c'est un personnage, là. Mais je signale, chers téléspectateurs, qu'il y a une ambiance bon enfant à Maté Bonheur. Ils ne peuvent pas voir tout ce qui se passe derrière les caméras. Franchement, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe ici. Ça me donne l'envie de sauter ici tous les matins avant d'aller au boulot. Ah, mais pour super. Partager la bonne humeur. Alors, on y va. Exercice, là, c'est l'animateur. Oui. Okay. Alors, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter sur ce plateau de Matin Bonheur l'un des grands artistes de la Côte d'Ivoire qui mérite notre chapeau. Le grand aussi a son chapeau. Justement, il a un chapeau donc sur la tête. Bille de Fer, qui est là avec Dr. Sénin Valérie, qui vont nous parler du cocotier chaud. De quoi s'agit-il? Eh bien, nous allons leur laisser la parole pour qu'ils nous en disent plus. Bon, attends, Stéphane, excuse-moi, tu as bien joué ton rôle. Mais Eddie, attends, enlève les lunettes, moi, là. Tu sais, actuellement,
si quelqu'un, si on ne veut pas, les gens ne veulent pas te respecter, toi-même, il faut te faire respecter. Donc, c'est ça qu'elle a les lunettes noires. Tu ne néglige pas, c'est un détail. Non, mais tu viens de Paris, c'est normal. Ah, tu comprends. Mais le petit français de Paris, là, je ne l'ai pas eu ce matin. Non, j'arrive. Je suis désolé, j'arrive. Puis terminer ça, les filles de Yopougon, on cherche là. J'ai fait plus ça. Tu cherches qui maintenant? La femme blanche, s'il te plaît. Non, à Yopougon, pour une affaire de jalousie, on prend l'eau chaude pour verser sur toi. Oh, les femmes blanches, on t'envoie la pousse. Mais là-bas, on fait l'eau chaude sur toi. Revenons, cocotis chaud. Oui, terminez ça. Je me respecte. Non, si on vous respecte. Oui. Oui, allons-y, cocotis chaud. Oui, cocotis chaud, c'est un événement avec l'appui de la RTI. Vous savez que la RTI, c'est une grande maison qui se respecte. Et donc, quand il y a un événement d'envergure comme ça, que la RTI estime que c'est un événement accompagné, la RTI accompagne l'événement. Et donc, c'est un événement cotichaud qui aura lieu le 19 et le 20 avril, c'est samedi et dimanche, à la place au complexe sportif de Yopougon. Mm-hmm. On appelle ça complexe sportif de Jesse Jackson. C'est pour le samedi et dimanche. Il dit on appelle ça complexe et bon, Jackson. Ça dit quand les tu n'es plus à Yopougon. Je suis là-bas. Ça dit que les choses sont en anglais. Moi, je ne suis pas... Attends, moi, j'ai continué de me repoudrer le nez. Ça va, c'est à Yopougon quand tu dis ça. Moi, je me repoudre le nez. Hein, ça aura... Je te laisse, Stéphane. Merci. Ça aura lieu sur le terrain. Au terrain. Au terrain de celle-mère, là. Là, ils comprennent ça facilement. C'est samedi et dimanche. À partir de 8h, samedi à partir de 8h déjà, les portes sont ouvertes. Et c'est des bracelets, on prend, on paye. C'est pas des tickets, on te donne. Tu donnes tes 1000 francs, on te donne un bracelet. Tu mets ça à ton bras et on te suit partout. Parce que la sécurité sera garantie. Et il y aura des mets partout, il y aura deux podiums et des artistes vont presser tout le temps, c'est-à-dire samedi et dimanche. En fait, c'est une fête organisée par une structure qu'on appelle Pion sur rue, mais avec l'appui du ministre Kwasi Adjumani, un monsieur que j'aime bien parce que c'est un monsieur que j'ai du respect parce qu'il considère l'homme. Moi, j'aime bien les gens qui respectent l'homme. Mais le bracelet, à combien? C'est à 1000 francs. C'est à 1000 francs. Il y aura des buffets partout, de la nourriture un peu partout. En fait, des gens vont manger et boire, fêter sans se déplacer, en venant simplement à Yopougon. Et la RTI, comme la RTI est partenaire, la RTI sera présente, filmée et diffusée. En fait, c'est un show. Mais dites-nous, le bracelet est valable pour les deux jours ou bien chaque jour on paye son bracelet? Chaque jour, tu payes un bracelet. Tu payes un bracelet. Samedi, tu vas à la maison. Tu reviens. Non, tu as bien fait de le dire. Parce qu'on a Yopougon aussi. Hein, parce que Yopougon, ils aiment ça. Un bracelet pour deux jours, ils aiment ça. C'est non. Donc, chaque jour, son bracelet. Voilà. Mais Stéphane, tu ne trouves pas bizarre? Il vient parler de cocotis chaud accompagné d'un docteur. On parle de nourriture, on parle de fête. Oui. Hein, ça ne t'a pas interpellé, ça, sa présence? Non, ça m'interpelle. Ouais. Et puis, bon, ça ne m'interpelle pas trop parce qu'on sait que, bon, peut-être on aura des conseils. Oui, moi, je pense qu'il parle en même temps, qu'il explique sa présence en même temps. Parce que vous allez comprendre, c'est un garçon qui Un vétérinaire. Bon, d'accord. Pause. 7h30, c'est l'heure de la pub. On vous prend tout à l'heure, juste après la pub. Salut les copines, vous êtes toujours belles. C'est quoi même votre secret? Nous utilisons la gamme de produits Or Plus. Or Plus, c'est pur et c'est naturel. Or Plus, c'est toute une gamme de produits naturels à base d'huile de palmiste pour le bien-être familial. Or Plus, c'est pas des... Or Plus, un produit GMS Industries. C'est la folie des cadeaux. Avec la RTI, le jeu Cash à Gogo, c'est reparti avec des millions de francs à se partager. Cash, on va vite. Cash, C-A-S-H par SMS au 98-070 et tente de gagner 100 000 et 250 000 francs CFA par jour, 500 000 francs par semaine, 1 million de francs par mois. Cash, un super lot de 3 millions de francs CFA cash, rien que pour toi seul. Et des lots surprises chaque heure. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. Envoie maintenant cash, C-A-S-H, au 98-070 et tente ta chance. Cash au 98-070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Ils ont fait confiance au jeu RTI. Big Deal, recevons nos gagnants. Participez au jeu sur RTI. On a tous gagné des micro-ondes. Vous voyez, on a eu 100 000 francs aujourd'hui. Nous avons tous gagné des cuisinières. J'ai gagné la somme de 250 000 francs. J'ai gagné 6 mois de salaire grâce au jeu Big Deal, soit 500 000 par mois.
Le jeu Cash à Gogo, c'est pour bientôt. Et il y a la somme de 3 millions à gagner. Fini pour le jeu Big Deal. Bientôt le jeu Cash à Gogo où il y a encore 3 millions de francs à gagner. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. Envoie maintenant Cash, C-A-S-H, au 98 070 et tente ta chance. Cash au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Mon animateur d'un jour à la bouche pleine, la paix finie, dit c'est moi. Oui, Atto, c'était toi. Tu mais dit, bon. Tu as dit qu'il fait se baigner là. C'est ton petit coco de Yopougon. C'est bon, hein. Nous l'appelons ça galette bengo foutre. Donc, baigner tout ça. Mais comme tu viens de bengue, ça pose on a dit baigner. Bon, manger les gars. Bon, docteur. Le docteur. Il nous fera d'autres précisions. Voilà. Si le droit chaud. Justifiez votre présence. Vous êtes vétérinaire. Oui, je suis. Pourquoi vous êtes là? Vétérinaire hygiéniste de la société ivoirienne d'abattage et de charcuterie. Nous sommes partenaires de l'événement. Ah. Alors, je suis là pour assurer les consommateurs que la viande qui sera vendue sur le site est une viande saine. Mais également que nous avons pris toutes les mesures pour que ces produits-là, ces plats cuisinés que les consommateurs auront l'occasion de déguster, là, sera exempt de contamination. Et pour cela, nous avons donné une formation de base à tous ceux qui feront la cuisine. Mais également, nous aurons une équipe pour veiller à l'application de ces mesures d'hygiène. Voilà un peu la raison pour laquelle je non, oui, c'est bien organisé. Oui. Non, oui, parce que c'est vu juste hein, avec oui. Tout ce qu'on. Ouais, on n'a pas dit le nom. On n'a pas dit le nom. Il faut te dire que, voilà. Comme c'est sous le, avec la présence du ministre Adjumani, et puis c'est en collaboration avec le député maire de Yopougon, M. Koundé Kafana. Donc c'est un événement, et puis je vous dis, la RTI, c'est une grande maison en fait qui a du respect du peuple. Donc la RTI a voulu d'abord se rassurer sur les conditions de sécurité alimentaire et sécurité, mais physiquement de tout le monde, d'hygiène, tout. Et tout est réuni. Et moi, je pense que c'est un événement que Yopougon doit s'approprier. Et c'est uniquement 1000 francs le samedi et 1000 francs le dimanche. Il y aura des plateaux d'artistes, des gens vont jouer. En fait, c'est le plus grand rendez-vous gastronomique, en tout cas. Mais dites-nous, vous appelez ça cocotis chaud. Ouais. Il n'y a que du cocotis qui sera servi là-bas, ou bien on aura. Il n'y aura que du cocotis. Ouais, c'est voilà. Sous toutes ses formes. Hein. Ouais. Ça, c'est le cocotis même, vrai. Donc, moi, je pense que peut-être les plus gros clients, c'est les guéris. Peut-être les guéris sont. C'est le porc. Bah, les guéris sont les plus consommateurs de cocotis à Yopougon. Donc, je pense que chers amis guéris, je pense que voilà une occasion. Abidjan, le cocotis, c'est le porc. Hein. Si vous nous suivez en dehors de la Côte d'Ivoire, quand on dit cocotis, ben c'est le porc. Numéro de téléphone, messieurs. Le contact. L'animateur, lui, il mange, il s'est oublié. Attends, pardon, tu sais, tu veux pour moi, parce que tu sais, je viens de pas. Mais les. Je vois plus bien clair. Mais tu as mis trop de. Ça y est en bas. Ah bon, ça y est en bas, j'ai vu. Numéro de téléphone. Oui, non, animateur, faut faire ton rôle. Ok. Voilà. Le 22 42 07 65. Oui. Et le 07 23 54 oui. 66. Oui. Complexe Jesse Jackson de Yopougon du 19 au 20 avril 2014. À partir de quelle heure, messieurs? À partir de 8h. Tout heures. Est ouvert. Ils n'ont même pas besoin d'appeler samedi à partir de 8h. Venez dimanche. Venez manger. Ils ne vont pas appeler. Le bracelet à 1000 francs. Ils viennent directement. Les artistes sont là. Ils mangent tout cadeau. Venir, les ballons vont venir, mais les grès sont plus parce que ça fait des cocotis. Conti Guéré, Yacouba, ils sont prêts. Très bien. 22 42 07 65 07 23 54 66. Messieurs, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il se prend en sécurité dans ah vous, je me respecte. Je ne sais plus où il a passé son fusil. Non, ça c'est plus avant ça. Il se prend au sérieux. Non, non, je me respecte. Bout de fer, Namou Atia. J'ai besoin d'évoluer, moi. Reparlons du retour de la grande série qui fait ça avant de recevoir d'autres invités. Voici un extrait de la série pour vous. Oui, Paco, on est fatigué. On nous vole trop. Ah. Non, mais c'est bien. Moi, je vous encourage. Et ça tombe bien. Puisqu'il y a une information qui demande à ce qu'on organise des séances d'alphabétisation partout. Ah, les autres villages ont commencé. Nous, on est en retard. Il y a des villages qui ont commencé il y a longtemps. Mais on ne sait pas où. Banco. On ne sait pas. Donc, je vais aller voir le chef dès ce soir même hein, pour demander sa permission afin qu'on organise aussi chez nous. Banco, quand tu vas aller voir le chef là, il faut tout faire pour qu'il accepte. Parce que ça me tient vraiment à cœur. Tu vois, Pena qui est là, il n'est pas sérieux. Pena, acheteur de produits. Là. Oui. Lui seul, hein, il pèse nos produits agricoles. Il écrit beaucoup, beaucoup, gros, gros. Quand Pena a fini, quand il doit te donner l'argent, l'argent qu'il te donne là, c'est petit comme ça. C'est pas possible, on ne va pas continuer comme ça. Yobi, non, ne t'inquiète pas. Hein. On va arranger tout ça, ça ira.
Je vais voir le chef, mais ce que je vous demande, c'est d'informer tout le monde dans le village. C'est une affaire qui concerne tout le monde. Banco, ma femme, Jamie et moi, on va sensibiliser tout le monde. D'accord. On va dire ça partout. D'accord. Ah! Je vais me faire accompagner par le vieux Magneto. On va aller voir le chef. D'accord. Là, ça donne du poids. Merci. Banco, je savais que quand on allait venir chez toi, ouais, qu'on allait avoir, ouais, quelque chose de problème. Fort. Bon, merci, okay, beaucoup. Il a complété à 5. Là, Stéphane, Reda Fawaz vient de nous rejoindre. Oui, bien Reda sûr. Fawaz, je te présente. Bonjour. Stéphane. Bonjour, Reda. Bonjour, ça va. Voilà, lui, il est styliste d'événements. Oui. Toi, tu es artiste comédien. Oui. Mais avant d'échanger avec lui, dis-nous, s'il te plaît, ce qu'on vient de voir. Tu es avec quel rôle là, ah oui. L'extrait qu'on vient de voir. Là, j'étais le maître. Le maître voilà, d'alphabétisation au village. Donc, hein, tu vas pour sensibiliser. Pour sensibiliser, c'est un jeune du village qui est allé à l'école, qui a fait les études. Donc, dans le cadre de la sensibilisation à l'alphabétisation, je mobilise mes parents au village et pour leur expliquer le bien fondé de la chose. Et dans le film, vous verrez une séquence où on est quasiment à l'enseignement. Très bien. Là, voilà. C'était le rôle de l'instituteur. Oui, de l'instituteur. et là, on était à Boisflay. Et présentement, où je vous parle, vous avez constaté que je suis seul sur, oui, le plateau. Les autres sont en tournage. En fait, c'est parce que voilà, toute l'équipe est en tournage actuellement à Bondoukou. À Bondoukou. Dans la région du Gontougo. Et vous devez les rejoindre, non? J'y suis revenu il y a 2 jours. Deux jours seulement. Et puis, vous j'ai fini mes séquences. Oui. Donc je suis, oui, parce que c'est par séquence quand même que vous c'est tournez. Par séquence. C'est donc par on fait plein de bisous à toute l'équipe de Kifisa, ah oui, qui a vraiment plein de bisous, plein de bisous, beaucoup de courage à eux. C'est avec beaucoup de passion. Il y a beaucoup de difficultés quand on sort, mais les gens, que ce soit l'équipe technique, que ce soit les comédiens, c'est avec une telle passion qu'on va jusqu'au bout, qu'on pousse jusque dans nos tripes, oui, pour donner le meilleur de nous-mêmes. Vous allez jusque vraiment, dans vos je les embrasse très fort. Pardon. Vous allez jusque dans vos fins retranchements, oui, pour, oui, sortir, oui, le meilleur. Dans nos tripes, pour donner le meilleur de nous. Et vraiment, tous ces techniciens, je vous embrasse. Toutes ces comédiennes, ces comédiens, je vous embrasse. Courage à vous, à c'est Bondoukou. Formidable. Bondoukou, ce n'est pas la porte d'à côté. Hein. C'est vrai, c'est loin. Mais voilà, la Côte d'Ivoire est notre espace. Donc, nous l'utilisons vous allez partout pour travailler. Quand on sent le besoin d'aller, parce que c'est les repérages. Hein. Stop. On a la suite plus tard. On est avec Reda. Et voilà, normalement, quand vous travaillez dur comme ça, vous les vous retrouvez artistes dans une salle de bain. L'artiste, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Vous vous retrouvez dans une salle de bain. Oui. Prendre une bonne douche. Oui. Et puis, dans la salle de bain, on se détend. On se détend. Voilà. Effectivement. Et pour bien se détendre, il faut que la salle de bain soit propre. Propre. Et décorée aussi. Bien sûr. Et c'est pour cela que lui, il est là. Et même quand on joue, il faut être aussi bien mis. Exactement. Voilà. Mm-hmm. Quand on joue à la télévision, ah oui, oui, bien sûr, oui, mm-hmm, bien sûr. Alors moi, c'est ce que je reviens, je dis que la salle de bain, en fait, c'est un endroit qui est très important dans la maison. Donc il y en a certains qui négligent ce détail, mais en fait, il y en a qui font 1 heure dans la salle de bain, il y en a qui font 10 minutes. Il y en a, c'est un endroit qui est très important. Et donc, c'est un endroit qu'il ne faudrait pas négliger au niveau de la maison. Donc, il faut le décorer. C'est-à-dire, il y a des astuces pour décorer. C'est vrai, quand vous, par exemple, vous prenez, il y a des thèmes pour décorer une salle de bain. Vous avez le thème balnéaire. Si vous voyez, par exemple, souvent, il y a des salles de bain où on décore. Même dans les surfaces, vous trouvez des trucs bleu océan. Vous avez même des tapis, vous avez même des accessoires que vous pouvez mettre, des coquillages. Vous pouvez mettre le savon, des porte-savons aux coquillages. En fait, il y a plein d'astuces pour décorer une salle de bain. Alors, c'est vrai qu'il y a 2 semaines de cela, pardon Reda, on a vu des images de on différentes a vu des salles images, de bain vraiment exactement. Modernes. Et on était sur le cas des douches parce qu'aujourd'hui, voilà, parce il est que, important aussi de oui. rappeler que dans certaines familles, on n'a pas de salle de bain, exactement. On a une douche. Parce que quand on va sur le côté moderne des choses qu'on a vues la semaine dernière, on a vu ce sont des salles de bain qu'on trouve qui coûtent excessivement cher. Cher. Donc, c'est pas donné à la portée à tout le monde. Nous sommes quand même en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont les moyens. Il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens. Mm-hmm. Alors, ce que je conseillerais, en fait, c'est que la salle de bain, en fait, déjà, est un environnement qui doit rester propre. Voilà.
Donc, même si on n'a pas la salle de bain luxueuse, mais quand même, on peut quand même avoir une très belle peinture dans la salle de bain. Mm-hmm. On peut mettre dans un coin une petite étagère avec, bon, on va dire, vous savez, dans la salle de bain, on ne met pas de fleurs. Il y a des fleurs qui sont précises pour la salle de bain. Mm. Les fleurs, ce sont les orchidées. D'accord. Parce que les orchidées... Artificielles, pas naturelles. Artificielles, oui, artificielles. Alors, par contre, vous pouvez décorer votre salle de bain avec des plantes naturelles. C'est-à-dire des petits pots de plantes naturelles. Il y a des plantes comme des petits palmiers. Il y a vraiment de jolies plantes. Donc, on a beaucoup de verdure ici. Mais ça, dans la salle de bain, pas dans la douche. Non, dans la non, pas dans la douche. On ne parle pas du WC. Oui, bon, là aussi, il a un autre aspect. Oui. Ah. Non, je ne parle pas. Mais la salle de bain, en général, il y a toujours ce côté-là. Oui. On ne le néglige pas. Oui. Voilà. Donc, il y a souvent les WC qui sont séparés des salles de bain. Mais bon. Bon, même pour nous qui avons des douches. Bon, oui. Pas de salle de bain, on a une douche normale. On entre, on fait pipi d'un côté, on se lave d'un côté. Exactement. Voilà, comme ça, comment on arrange là-bas? Il suffit. C'est ça. Il suffit, en fait. Il y a Moreno qui croit pas ce que je suis en train de sortir de ma bouche ce matin. Il suffit d'avoir une peinture, en fait, assez harmonieuse selon les goûts, selon les couleurs. Il y a des couleurs à éviter dans une douche. Alors, les couleurs sombres. Alors, vous n'allez pas mettre du rouge dans la salle de bain. Sauf que si la salle de bain est moderne, voilà, donc il y a des salles de bain qui sont préfaites, que vous achetez en surface, vous mettez à rouge, à jaune, vous avez toutes les couleurs. Ça, c'est différent. Maintenant, voilà. Ce sont des trucs modernes. Mais les douches, en général, il faut aller sur des couleurs plus claires. Claire. Évitez trop le blanc, allez sur le gris, parce que souvent, la salle de bain avec l'eau et tout ça, donc ça tache les murs. Mais le pas blanc, tout... là, on voit qui est propre, qui est sale. Bon. Les carreaux blancs, là on voit, parce que souvent, au niveau des carreaux aux jointures, là, il y a des taches noires qui restent. Non, mais parce que si vous avez une douche qui n'est pas propre, quelqu'un veut faire pipi, qui rentre dans votre Alors, douche. Une astuce pour les carreaux sont un peu tachés, il y a une astuce qui est très importante. Parce qu'en fait, c'est un peu de la tarte et de l'humidité. Oui. Donc, il suffit de prendre un peintre avec, ou bien vous-même, si vous avez vraiment la main habile, un petit pinceau avec de la peinture blanche à l'huile mate et que vous allez passer sur les jointures des carreaux pour rendre ce côté. Parce qu'en fait, la peinture à l'huile, vous pouvez la laver après. Donc, il n'y a pas de problème. Mais pas à eau. À eau, non. Après, ça part. Voilà. Mais donc, vous peindre des jointures pour rendre la salle de bain propre. Alors, quand on revient au niveau aspect décoratif, donc même si on n'a pas les moyens qu'on veut décorer sa salle de bain, donc comme je disais, vous pouvez mettre une plante dans le coin de la salle de bain, voilà, qu'elle soit éclairée, c'est très important, parce que quand elle est éclairée, qu'elle soit quand même, qu'elle ait des couleurs très éclairées, les murs, ainsi de suite, vous pouvez... Bon, vous trouvez des tapis, des jolis tapis que vous pouvez mettre du côté WC. Voilà. Vous pouvez faire deux, trois petites étagères dans la salle de bain. Vous savez, il y a des astuces qui sont très jolies dans une salle de bain. Ce sont, vous achetez des bocaux avec des couverts transparents. Vous mettez dedans, par exemple, des savons. Vous mettez dedans on va dire des cotons, des cotonnettes, ainsi de suite, que vous pouvez décorer votre salle de bain. Bon, on a parlé la semaine dernière des senteurs qui est très important pour une salle de bain. Donc, les senteurs, les pots pourris. Et ce que je conseillerais pour la salle de bain, de ne pas mettre de fleurs. Il y a des fleurs qui sont précises pour la décoration d'une salle de bain, qui sont les orchidées. D'accord. Les orchidées. Artificielles surtout. Artificielles. Et vous pouvez aussi mettre, vous pouvez décorer avec des galets, parce que ça servir dans l'esprit des spas. Voilà. Très bien. Voilà. En tout cas, Rida, merci beaucoup d'être venue nous entretenir sur comment décorer notre douche. On a parlé de la salle de bain il y a deux semaines, on a rappelé ce qu'on a dit et puis aujourd'hui on s'est intéressé à la douche. Il est important de garder cet environnement propre. Et puis, des petites décorations comme vous nous avez indiqué. Voilà, il y a des petits tableaux, des astuces que vous trouvez un peu partout qui ne sont pas très chères. Mais c'est surtout propre, là. Oui. C'est surtout propre. Oh, bien, Stéphane. Ah oui, Naomi, c'est un réflexe. Hein. Je disais tout à l'heure, mais tu fais attention à tout ça, mais c'est un réflexe. Oui. Quand vous êtes chez quelqu'un, que vous demandez à aller donc dans les toilettes, c'est un réflexe de jeter un coup d'œil. Oui.
oui, mais ah bon, et, tu rentres dans un environnement... Et ça, permet, ça permet de juger même la personne qui oui, en fait, qui on juge là. Une femme par voilà. sa cuisine et sa salle de bain. Bon, voilà. Très bien. Donc, les femmes, ne vous faites pas mal juger pour la fête de Pâques. Lavez bien les douches, nettoyez bien partout. Rida, merci beaucoup. Merci, Naomi. Et au revoir. À cette suite, on aura Isabelle Moreno qui est déjà prête. On se retrouve dans 2 semaines, Rida. Merci beaucoup. Stéphane, on a dit qu'on gardait le même cahier de charges. Oui, pour qui fait ça. On va toujours montrer du doigt ce qui ne va pas. Mais dites-nous, vous-même, les artistes, là, vous parlez des gens. Est-ce que vous-même, vous êtes irréprochable? Bon, écoutez, on peut pas. Vous êtes là, vous montrez du doigt comme ça. Ce serait prétentieux. Ce serait trop prétentieux de dire mais que bon. Mais l'effort. Oui, justement, on fait l'effort. On fait l'effort de ne pas paraître en déphasage avec les sujets sur lesquels nous sensibilisons la population. Mm-hmm. Hein, parce que voyez-vous, si on parle d'un sujet, puis voilà, puisqu'on est des Ivoiriens comme tout le monde, dans notre voisinage, on se met à avoir. Le comportement qu'on a indexé, ce n'est vraiment pas intéressant. Exactement. Donc, on a ce devoir-là de nous rappeler chaque fois, quand on veut tourner mal, qu'il faut se ressaisir parce que nous sommes des éducateurs. Stéphane est marié ou pas encore? Je ne suis pas... Ah, on pose ce genre de questions. Ben oui. Matin bonheur, attends, on pose tout. D'accord. Je ne suis pas encore marié. Mais... Encore à prendre? Pardon? Encore à prendre? Non, ou pas encore à prendre. D'accord. Voilà, au moins, parce y a que je vis en concubinage. Voilà. D'accord, donc fermez vos yeux, hein, parce que celle qui arrive, c'est une étoile. Donc, d'accord. Et puis en plus, elle est déjà mariée. Quand j'annonce aux hommes qu'elle est mariée, les gens ont toujours mal au cœur. Oh. Elle est mariée. Madame Moreno est sur notre plateau. Bonjour Isabelle. Bonjour Naomi. Je te présente Stéphane Kofiba. Enchantée. Tu le connais, la Enchantée, la télé, oui. Ben voilà, là, tu le vois en vrai, là. Ah, elle, c'est Isabelle Moreno. Ah, okay. Elle est esthéticienne, ex-mannequin. Voilà, esthéticienne. Ah, okay. Ça se voit. Oh, ex-mannequin, on peut même arrêter de le dire. Ça fait pourquoi 12 ans. Non, mais nous, on continue de le dire. Ça se voit par la plastique. Ah, d'accord. Pardon, calme-toi un peu. Avec elle, on parle du blush. Oui, aujourd'hui, donc, je vais vous parler du blush. Qu'est-ce que c'est le blush? Qu'est-ce que c'est? C'est le produit qu'on met sur les joues pour avoir bonne mine. Ah, ça n'intéresse pas les hommes. Hein. C'est plus non, pour non, les c'est vraiment pour nous, Naomi. Donc, parlons-nous. Mais ça, c'est une discrimination. Et en plus, je vais même faire une démo sur toi parce que, vu tes couleurs aujourd'hui, apparemment, tu n'as pas mis de blush. Non, j'en mets pas. Voilà, et en pas. Même temps, ça me permettra donc d'expliquer ce que c'est. Mais dis-nous d'abord les couleurs alors, différentes qu'on a. Alors, les blushs existent en différents coloris, donc adaptés à nos peaux et à nos vêtements. Très bien. Okay. Donc, les blanches vont aller sur des couleurs un peu plus rosées, un peu plus claires ou alors à même du marron. Mmh. Alors que l'une est noire, on ira plus sur du rose, l'orange, etc. Mais c'est toujours ou bien des couleurs un peu rouges comme ça. Mais on tient compte de la couleur de la tenue qu'on a portée ou bien non? Pas forcément, parce que le blush n'est pas censé sortir en couleur. C'est juste donner un petit aspect allé pour avoir bonne mine. Donc, on a les joues un peu plus rouges. Là, j'en ai mis un peu, je sais pas, ça se voit pas vraiment, mais ça te donne quand même mais est-ce bonne qu'il mine. Faut mettre le blush à tout moment de la journée? À quel moment il faut vraiment l'utiliser? Alors, le blush, déjà, c'est à la fin du maquillage. Okay. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la dernière partie donc, de la série des tous les produits que je vous ai présentés depuis. Exactement. Par rapport au maquillage. Et donc, le blush, moi, j'appelle ça la touche bonne mine. C'est la touche qu'on va mettre. Oui, la touche bonne bon, mine. Bon, Isabelle, s'il te plaît, là, tu prends quelle couleur? Là, vu ton habillement, je vais prendre ça, du rose. D'accord. Okay, donc avec un pinceau. Il faut me donner bonne mine là, alors, parce que tout à l'heure, on va échanger avec les téléspectateurs. Les blushs existent en différentes textures. Donc là, c'est des textures en poudre, ce sont les préférées. Ah, en poudre. Oui, hein. En poudre. Mais il existe aussi des textures crémeuses. Mais ça, c'est plus pour les professionnels ou alors pour les femmes qui sont ridées. Ah, tu vois. Moi, je n'en connaissais pas en si, texture si. Crémeuse. La texture crémeuse, tu vois. Ah. Mais je veux dire après... Mais il fait chaud vraiment, chez nous ici, est-ce qu'on vraiment peut... vraiment bien estomper et tout. Donc ça, c'est plus réservé aux professionnels. Aux professionnels. Pour vous dire que ça existe quand même. Très mais bien. Ce qu'on trouve dans le commerce en général, c'est toujours des fonds de teint, des blushs poudrés. Moi, j'aime celui-là parce qu'il y a plusieurs couleurs en même temps. Alors ça, c'est pas vraiment un blush, mais on peut l'utiliser comme blush. Ah, c'est quoi? Et c'est un illuminateur. Et donc, tu vois, il y a des paillettes. Il faut le montrer à la caméra. Voilà, il y a des paillettes. Il y a des paillettes bon, à d'accord. L'intérieur. Isa, donc, je ça, veux avoir une bonne mine. Est-ce que vous êtes sûr qu'avec les blushs là, quelqu'un qui a des problèmes, qui est anxieux là? Mm-hmm. Quand on a mis les blushs et puis on bon... on a bonne mine, c'est vrai. Bon, parce que le problème, c'est pas écrit sur le front. C'est heureux, mais quand même beau que malheureux. Mieux vaut faire envie que pitié à toi. Alors, bonne mine pour moi. Oh là là. Alors, comment on a les hommes le à éviter. Hein. Souris. Alors, le blush, non, mais ça, c'est vous l'obligez maintenant. Voilà, comme ça. On oublie les soucis. Attends. Ah, d'accord. Quand tes cheveux ne ah, d'accord. Et il faut bien estomper.
quitte à repasser en fait. Et donc quand on sourit pas, on voit comment? Mais tu sais où sont placées tes pommettes. Oui, donc, mais voilà. Quand on sourit, on voit plus. Voilà. Donc j'applique là et j'estompe. Ah là 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 là. Voilà. C'est tout. Oui, c'est fini, c'est le blush. Et après, on peut soit estomper un peu pour ne pas que ça soit trop démarqué, oh. Soit alors on passe un peu de poudre libre sur l'ensemble du visage. Bon, attendez. Tant que je vois, si tu as bonne mine, Naomi. J'ai bonne mine, non. Ouais, ça attends. Lui fait une petite. Elle a dit qu'on oui. Place. Mais attendez-moi ma trousse de maquillage. Non, ah ben voilà. Mais voilà, j'enlève les lunettes. Mmh. Voilà, on repasse sur l'ensemble du visage comme ça. C'est doux, hein. Ne dors pas. Voilà, c'est juste la touche bonne mine, le blush. Touche bonne mine. C'est tout ce que j'ai à dire bon, sur Stéphane, le blush. Bon, Stéphane, tu ne fronces pas pour avoir une bonne mine, là. Oh là, regardez comment je peux porter pour avoir une bonne mine. Vous voyez une différence ou pas? Non, il y a une différence. Ouais. Oui. Sérieux, il y a une différence. Dire, c'est une petite touche supplémentaire, la plus... Il y a une différence, quand même. Oh là là, de toute façon, les gens n'ont pas inventé ça pour donc, rien, pour terminer, c'est que ça marche. Notre ouais. Série de conseils sur le maquillage, il faut bien terminer son maquillage avec le blush. Voilà. Et puis laisser la texture crémeuse pour les professionnels. Pour les professionnels, vaut on mieux. Prend la poudre, ou on alors sourit, les dames puis, qui sont ridées ou qui ont la peau très très sèche, mm-hmm. Ça permet d'avoir une petite texture un peu mouillée. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça, tu vois. D'accord. Mais c'est moi, très préfère, pratique. Je préfère la poudre parce mais que la crème, la crème du mal. Est très pratique en fait pour les gens qui sont ça un peu ridés. C'est... C'est un blush, mais c'est la même chose que ça, sauf que c'est en stick. Isabelle, merci beaucoup. Je t'en prie. Pour les hommes, on évite. On évite enfin, le blush. Certains hommes mettent du blush. Hein, non, les non, métros. Ouh. Pardon. Les métros. Qu'ils essaient de s'épiler. Oui, ils s'épilent. Qu'ils laissent les blushs là. Non, mais ça reste naturel. Naturel. C'est pour avoir bonne mine. Vous voulez que je mette du blush? Le monde a changé aujourd'hui. Hein, tu veux essayer le blush? Non, pas moi. Oh là là. Pas les blushs. D'autres choses, hein. Des produits d'entretien, c'est important aussi pour oui, nous. Oui, bien sûr. Oui, non, là, on a fait l'étape. Hein. La dernière oui. Fois, il nous a mis du labello sur les lèvres. Aux hommes aussi qui sont dans le studio. Mais là, on t'a maquillé un peu, non, avant que tu arrives? T'es passé oui, au maquillage, oui, non? J'ai été maquillé. Ah ben voilà. Ouais. Il y a des étapes de maquillage conseillées pour les hommes, mais ah, okay. Il y a certaines étapes où bien bon, sûr. C'est mieux d'éviter. Hein. Attention, on va se confondre. Je vais dire. Isabelle, merci je beaucoup. Et puis on est à dans 2 semaines par la grâce de Dieu. Oui.